Bonjour tout le monde. Pour la recette de pâte brisée, on aura besoin de 2 tasses et un quart de farine, 3 quarts de tasse de beurre coupé en cubes non salés froid, 90 ml d'eau glacée et puis un petit peu de sel qu'on va mettre immédiatement dans la farine. Et la pâte, on la fait directement dans le robot. C'est pas compliqué à faire. C'est simple. OK. Donc, on va commencer par ramollir le beurre avec le robot. Après, on va mettre l'eau et on va rajouter la farine. Il ne faut pas trop jouer avec la pâte. Maintenant, je vais mettre le beurre pour le ramollir. On va le brasser un petit peu. Le beurre est assez ramolli, on va rajouter l'eau. Une petite tour à faire ajouter, on met la farine tranquille. Nous, ce qu'on fait, une petite boule avec. Et un coup que tout est bien mélangé, on prend notre boule. Il ne faut pas trop jouer avec. Juste un petit peu pour former une boule. Donc avant de l'utiliser, il faut la mettre au frigidaire une demi-heure au moins. Et on la met dans une pellicule de plastique. On peut la congeler au moins. Je dirais une couple de temps à congeler. Et voilà. C'est aussi simple que ça, faire la pâte brisée. N'oubliez pas d'aller se reposer une demi-heure au frigidaire avant de la travailler. Merci et à la prochaine.